souhaitons la bienvenue et que l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'accomplir. Amen. Yamajule o chapa, yamajule o malganta, yamajule o chapa, kimela o siamo, yamajule o chapa, yamajule o diganta, yamajule o chapa, kimela o siamo. Je ne vous ai pas entendu. Jésus, oh yeah! Est-ce que le peuple de Chan est là ce soir? Poussez les cris de joie, Jésus! Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Commencez! Roubi, mon Yahweh! Roubi, roubi, mon Yahweh! Come on.
peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce que Chang est là? Est-ce que Chang est là? Am Gako. Chepou Yesu apunte to. Wonjumba. Sopupumba. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce soir? Can we celebrate Jesus tonight? Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Jesus, please. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et acclamer Jésus comme il ne l'a jamais fait? As he never did it. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Are you happy being here tonight? Dis Seigneur Jésus, say, Lord Jesus, je t'aime. Et je te servirai tous les jours de ma vie au nom souverain de Jésus-Christ. Dis-moi trois fois et c'est scellé. Vous voyez, Chang, c'est ma deuxième maison. Ça, c'est ma deuxième maison ici. Maintenant, on reste à Chang. On reste un peu ici, puis on part à Yaoundé. On revient à Chang, on reste ici. Donc, je ne suis pas un étranger, je suis revenu à la maison. Pendant ces trois jours, Dieu va manifester une gloire terrible dans cette ville. Je veux dire merci à tous mes bien-aimés qui sont là. Reverend Bassama, au pasteur de Bafoussam, au pasteur de Babadjou, oh Babadjou, Apumba. Et à tous les bien-aimés qui sont là, tous mes fils qui sont là, la délégation de Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Et à tous les habitants de Chang, que Dieu vous bénisse. Que les gens veuillent ou pas, ton étoile brille déjà. Ton étoile brille déjà. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, oh, oh. Samira mina idalita utelozo. Oui, ta gloire. Seigneur, oh, oh, oh. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Oh, ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, oh, oh, oh. Seigneur, Samira idali falagenat. Rabboni filialoma wa inasroi. Relâche ta gloire. Oh, ta gloire. Relâche ta gloire. Les églises. Les églises du ciel. Relâche ta gloire. Seigneur. Oh, Seigneur. Ouvre les églises des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, oh, Seigneur, oh, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche des miracles, relâche des prodiges, relâche
les anges relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges relâche, nous voulons voir ta gloire. Éclaire tes yeux, relâche ta gloire, oh relâche, relâche ta gloire, Seigneur, Seigneur, ouvre les éclairs tes yeux, relâche ta gloire, oh relâche. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges. Nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 oh. Relâche ta gloire. Oh, 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 oh. Zeramina ujala semaje ifilazo. Karubina ujena u Rela Ulashagwa. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec Jésus. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus. Oh, quelle famille l'olei avec toi. Rabouni Miloï Talo Sabina Ita. Il n'y a plus d'impossibilité. D'impossibilité avec toi. Il n'y a plus. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité quand Jésus est là. Il n'y a plus d'impossibilité quand il est là. Avec toi, avec toi, oh oh. Avec toi, je suis si bien. Avec toi, Seigneur Jésus, mes montagnes sont renversées. Nos problèmes sont résolus lorsque tu es là. Dis avec toi, avec toi, hey, 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 hey.
l'impossible. L'impossible est possible. L'impossible est possible. Lorsque tu es là, l'impossible est possible. L'impossible est possible. L'impossible est possible. Lorsque tu es là, l'impossible est possible. Possible, possible. Possible, possible. Possible, possible. Possible. Lorsque tu es là, l'impossible est possible. Possible, 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 lorsque tu es là. Oh, kerazabina ulai filas, rabana uloi, talasa mena udal kenatei, subramina ivros inatoi, rabana utola zeta. Avec toi, oh oh, avec toi, je suis si bien. Avec toi, Seigneur Jésus, nos maladies sont toutes guéries, nos ennemis sont tous vaincus. Lorsque tu es là, dis avec toi, oh, avec toi, oh, 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 avec toi, oh, 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 avec toi, eh, eh, avec toi. L'impossible est possible, oh, l'impossible est possible. L'impossible est possible, parce que tu es là. L'impossible est possible, possible, oui, possible, 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 parce que tu es là. Et tu vas et je vais ramer, et je vais roxer, et surmer, et je vais ramer nos rêves, assurer mon rêve, gustra vital mes raisons, et surmer. Et je varo, et je varo mi, et sera mi moremo, et sur mi, et je vera mi murai, Adonai marevo, ospera mi forazo. Esurumi, ejevaro me, o será mi mola ouvre. Esurumi, ejeve serai, e será mi varok será. Ospera zo bixure, esurume, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
la 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 E sura mi mora di dolei maro E suru mi Adore Jésus Adore ton roi Adore ton sauveur Il est ici Je ferai mi, que sera mi valuxera, besura mi vorezo, besura mi. Tends la main vers moi. Dis mon Père et mon Jésus. Tu connais les problèmes de ma vie. Je ne suis pas venu chercher un homme, mais Dieu. Seigneur. Pendant que je te cherche, laisse-moi te trouver ce soir. Pendant ces trois jours, je veux contempler ta gloire au nom souverain de Jésus. Dis Amen trois fois et cessez-le. Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame, s'il te plaît. S'il te plaît, acclame Jésus. Please clap for Jesus. Acclame Jésus, s'il te plaît, acclame Jésus. For Jesus, please. Et je varo. Et je varo me. Et sera mi molei. E sur me e je fesserai gara mi mora bana sore e sura mi vora itello e surui mon père et mon Jésus je prie que ta gloire soit puissante dans cette salle et que ton nom soit glorifié au nom souverain de Jésus. Dis Amen comme le tonnerre encore. Je voudrais que pendant que tu es debout, pendant qu'on adorait, les trois jours aussi, ces trois jours de démonstration de la gloire de Jésus-Christ à Chang. Qui est prêt pour ça? Qui est prêt pour ça? Pendant que j'adorais, pour ne pas oublier, j'ai vu une femme qui a eu une amie d'enfance qu'on appelait Nani. Nani, c'est qui? Nani, c'est qui? Nani. Non, je ne veux pas prophétiser maintenant. Je veux juste savoir la personne. Est-ce que les gens me suivent? Vous me suivez au fond? Vous me suivez au fond? J'ai dit que j'ai vu une femme qui a eu une amie d'enfance qu'on appelait Nani. C'est qui? Nani. C'est qui? Who is that? Qui avait une amie qu'on appelait Nani. 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 Hein? J'ai une amie qui s'appelle Nani, papa. Nani. Nani. D'accord, je vais revenir tout Fine, à l'heure. I'll be back shortly. Amen. Praise God. Vous savez qu'il y a les gens qui disent que nous les prophètes, on s'entend avec les gens pour arranger les prophéties. Nous prions pour ces gens pour qu'ils comprennent que Dieu n'est pas un homme, mais il est Dieu. Dieu n'est pas un homme, mais il est Dieu. Nous ne travaillons pas avec... Oh, lisons, je ne veux même pas trop bavarder. Lisons, on va faire une longue lecture. Prends ta Bible avec moi dans Ésaïe, chapitre 36.
Et on va lire le chapitre 36 et le chapitre 37. Chapter 36 and chapter 37. Le thème de mon message. The theme of my message. Toute prophétie de tes ennemis retourne contre eux-mêmes. Toute prophétie de tes ennemis retourne contre eux-mêmes. Oui, allons-y rapidement. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Tout décret de Satan et de mes adversaires contre ma vie, je les retourne dans leur camp. Oh Dieu, lève-toi et défends ma cause au nom souverain de Jésus. Dis amen trois fois et c'est scellé. Acclame pour le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Dans le passage qu'on a lu, je voudrais expliquer rapidement. Et on va prier. Parce qu'on a trois jours. Et chacune de ces journées a une mission que Dieu veut accomplir dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'au fond là-bas? Vous me suivez au fond? Si tu me suis, lève ta main droite. Au fond, lève ta main droite. Même si tu es juste un observateur indépendant parmi nous ce soir. Parce qu'il y a des gens qui sont là pas pour Dieu. Ils sont venus pour voir son cinéma. Ils ont entendu parler d'un prophète. Que le prophète là, quand il vient, il prie sur les gens. Donc ils sont venus pour voir de leurs propres yeux. Ils sont pas là pour la prière. Ils sont là pour vérifier si c'est vrai ce qu'on leur dit. Bonne arrivée. Tout à l'heure, Dieu va t'étonner. Amen. Dans le passage aussi, quand j'ai lu ce passage, les larmes ont commencé à couler de mes yeux à cause de ce que le roi Ézéchias a vécu. La Bible dit que à cette époque, il y avait un grand roi, un roi puissant qu'on appelait Sennacherib ou Sennacherib. C'était le roi d'un pays qu'on appelait la Syrie. Donc c'était un peu comme le Joe Biden d'aujourd'hui, comme le président des États-Unis. C'était la première puissance militaire mondiale. Et donc ce grand pays va envoyer son général. Il va envoyer son général Rabshake. Et pour attaquer Israël. Et quand ce grand pays vient pour attaquer ce petit pays qu'on appelle Israël, qui était serviteur du Dieu vivant, qui servait Dieu, la Bible dit que Rabshake, le général de l'armée d'Assyrie, va insulter le Dieu d'Israël. Et il va dire aux gens qui sont venus, à tout le peuple d'Israël, pourquoi est-ce que vous écoutez le roi qui vous dit de mettre votre confiance en Dieu? Est-ce que tout le monde me suit? Vous me suivez? D'accord. Pourquoi tout le monde écoute le roi? Parce que le roi Ézéchias disait à son peuple, n'ayez pas peur, nous demeurons dans la prière. Ils sont plus forts que nous, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus puissants que nous. Mais le Dieu qui est avec nous les dépasse tous. Oh, le froid. Attends, je descends, peut-être tu ne me vois pas bien. Le roi leur a dit, ils sont plus nombreux, plus puissants, plus équipés. Leur armée est plus forte. Nous, on n'a même pas d'armée. Mais nous avons l'Éternel, le Dieu des armées, au milieu de nous. L'Éternel combattra pour nous. L'Éternel nous défendra. N'ayez pas peur. Mais Rabshake disait au peuple, n'écoutez pas le roi, parce que l'Éternel ne vous sauvera pas de la main de mon roi, parce que mon roi est tout puissant. Et l'Esprit de l'Éternel a commencé à me montrer des visions, parce que je suis un prophète rohé. J'ai commencé à voir des visions. Et Dieu m'a dit de parler, de prophétiser sur quelqu'un ici. Peut-être dans ta famille, il y a un Sennacherib. Peut-être dans ta famille, il y a un Rabshake. Rabshake doit mourir. Rabshake doit mourir. Rabshake doit tomber.
Il y a des gens qui se sont levés dans ta vie, qui ont insulté le Dieu que tu sers. Ils verront qu'ils sont insultés. Cette guerre n'est plus ta guerre. Si tu insultes un homme, tu as la guerre avec un homme. Mais si tu insultes le Dieu d'un homme, le Dieu de cet homme devient ton ennemi. La guerre là n'est plus ta guerre. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui a tapé sa poitrine, qui a dit l'église où tu vas là, on verra ce que tu vas avoir là-bas. L'église où tu parles là, si tu réussis, c'est que ce n'est pas moi. Je vais voir même ton Dieu que tu vas prier là, ne te délivrera pas. Je suis venu pour ce genre de personnes ici à Tchad. Je suis venu pour toi. Quiconque a utilisé sa position de force pour t'écraser, l'Éternel l'écrasera. L'Éternel l'écrasera. Que notre Dieu se lève. Qu'il venge son peuple de ses ennemis et de ses adversaires. Celui qui dit amen, Dieu combat ses combats. La Bible explique que lorsque Rabshakeh est arrivé, il a lu la lettre du roi Ézéchias qui insultait le Dieu d'Israël. Le roi a récupéré la lettre. Il est parti dans la maison de Dieu. Il s'est couché sur l'autel et il a pleuré et il a appelé les anciens. Il les a envoyés chez le prophète Esaïe. Allez consulter la parole de l'Éternel. Et il a dit, dites au prophète, ce jour, c'est un jour d'angoisse, un jour de désolation, un jour de pleurs. Les enfants sont prêts à sortir, mais il n'y a pas la force pour pousser. Nous sommes finis. Si l'Éternel ne se souvient de nous, il a tourné le regard vers l'Éternel et vers le prophète de l'Éternel. Écoutez mes amis, tu as besoin d'un prophète dans ta vie. Tu as besoin d'un prophète. Lorsque ça ne va pas, va dans la maison de Dieu et envoie la nouvelle à ton prophète. Tu vas prier dans la maison de Dieu. Ton prophète va aussi regarder la face de Dieu pour toi. Je veux voir la face de Dieu pour toi. Je veux voir la face de Dieu pour ta famille. Quel que soit ton cas, quel que soit le défi de ta vie et de ta destinée, quelles que soient les prophéties de tes ennemis sur ta vie, je lève les yeux vers le Dieu qui m'a appelé. Pour toi et la maison de ton père, pour toi et la maison de ta mère, pour toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Et je dis, oh Dieu, Rabshakeh doit mourir. Rabshakeh doit mourir. Toute personne dans ta famille qui s'est levée comme un Rabshakeh, qui a déclaré être le maître de ta vie, tenir ta vie dans sa main, cette personne connaîtra une confusion sans pareil. Cette personne connaîtra la honte. Ses paroles retourneront contre elle-même. Parce que tu es intouchable. Ça ne t'arrivera pas. On ne t'atteindra pas. Tout temps forgé contre toi retourne à l'expéditeur. La Bible dit que lorsque le prophète, le roi envoyé, consultait le prophète, le prophète Esaïe a dit au roi, Sennacherib ne touchera pas cette ville. Il a dit, allez dire au roi, ainsi parle l'Éternel, tes ennemis ne toucheront pas Jérusalem, on ne te touchera pas, je prophétise sur toi, ils ne te toucheront pas, ils ne te feront aucun mal, ils ne t'atteindront pas, l'Éternel te défendra, l'Éternel te préservera, l'Éternel te protégera, parce que la Bible déclare, et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Tu ne mourras pas. Quels que soient les décrets de Satan dans ta vie, je retourne ça dans le camp de Satan. Toute personne qui sait le diable dans ta famille, qui a juré que tu ne te marieras pas, tu ne réussiras pas, ton étoile ne brillera pas, ta destinée ne resplendira pas, ses paroles retournent sur cette personne. Rien ne t'arrivera. Aucune parole de malédiction dans ta vie n'aura d'effet sur ta vie.
Dieu te préserve. Dieu bâtit autour de toi une muraille fortifiée. Leurs prophéties retourneront sur eux-mêmes. Leurs malédictions retourneront sur eux-mêmes. On ne te touchera pas. Parce que tu es le bien-aimé de Jésus. Parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Son sang te protège. Son sang te garde. Et il combat des combats ce soir. Ce combat n'est plus ton combat. Sennacherib doit mourir. Rabshakeh doit tomber. N'aie pas peur. Don't be afraid. Dieu m'a envoyé te dire, n'aie pas peur. Les gens qui ont dit, qui se moquent de toi, qui disent que rien ne viendra de toi, rien de bon ne viendra de toi, que ta vie est finie, on va voir qu'il y aura honte à la fin. Les gens qui frappent leur poitrine à cause de leur position d'autorité, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas, tu n'as pas. On fera la fin. Dieu confond nos ennemis. Dieu confond tes ennemis. Mes amis, tu peux attaquer un homme, mais pas Dieu. Personne ne peut lutter avec Dieu et s'en sortir. On ne gagne pas la guerre avec Dieu. On ne gagne pas la guerre contre Dieu. Celui qui s'attaque contre Dieu, il est fou, mes amis. Il cherche la mort. Comment tu peux t'attaquer à celui qui te donne le souffle de vie? Qui peut retirer le souffle de vie? Comment tu peux t'attaquer à celui qui a ta vie dans sa main? Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse est la famille dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse est la femme dont l'Éternel est le Dieu. Heureux l'homme dont l'Éternel est le Dieu. N'aie pas peur. Ézéchias a eu peur. Il s'est inquiété. Mais ne s'est pas découragé. Il a cherché l'Éternel. Il a cherché la face de Dieu. Laissez-moi vous montrer une chose qu'on n'a pas lu dans ce passage. Vous savez, quand je dis que j'ai lu le passage ici et les larmes ont coulé de mes yeux, je suis très sérieux. Très sérieux. Parce que dans ce passage, quand vous lisez attentivement les deux chapitres, la Bible explique que lorsque Sennacherib est venu en Israël, il a ravagé toutes les villes. Il les a ravagées jusqu'à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, le roi Ézéchias va se tourner vers Dieu et Dieu va lui dire par le prophète Esaïe, ils n'entreront pas dans cette ville parce qu'ils ont insulté l'Éternel. Et j'ai posé la question, comment un homme qui voit ses ennemis ravager ses villes, continue à aller dans la maison de l'Éternel, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux mal commencer, mais tu vas bien finir. Ils ont commencé avec la défaite. Ils ont fini avec la victoire. Parce que Dieu était au milieu d'eux. Écoutez, mes amis, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés de la vie, n'arrête jamais d'aller dans la maison de Dieu prier. Oh. Ne te décourage jamais. Le roi Ézéchias, sa force, c'était la maison de l'Éternel et son prophète. Quand je vois les gens qui combattent les prophètes, je pleure pour ces personnes. Pourquoi? Parce que asseyez-vous un instant, laissez-moi vous parler. Pray together. Nous allons prier ensemble. Quand je vois les gens combattre les prophètes ou les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, je dis, je pleure pour ces personnes. On doit prier pour eux. Les gens disent, on n'a pas besoin de prophètes. On a besoin des prophètes. Tu dois avoir ton prophète. Chaque enfant de Dieu doit avoir un prophète. Quand j'entends des prédicateurs dire non, c'était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout le monde a droit directement au Saint des Saints. C'est une réalité, mais qui n'annule pas l'effectivité et le rôle des prophètes dans l'Église. Ça n'annule pas le fait que chacun a besoin d'avoir un prophète. Même Paul avait son prophète. Il a eu au moins deux prophètes dans sa vie. Est-ce que vous comprenez?
Parce que Jésus n'était pas fou en laissant les prophètes. Et c'est quoi prophète? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est celui qui parle au nom de l'Éternel. Qui dit ainsi par l'Éternel. Le prophète est fait pour être consulté. Le prophète est fait pour être consulté. On consulte la parole de Dieu dans la bouche du prophète. Les gens doivent savoir ça. Sinon, Jésus n'aurait pas laissé les prophètes en battant. Puisque lui-même savait que chacun de nous a droit au sein des saints. Mais il a quand même mis les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes ont un rôle fondamental dans l'église. C'est par un prophète que Paul a été délivré de la cécité et que Dieu lui a révélé le mystère de son ministère. Et c'est par un prophète qu'on appelait Agabus que Paul a su qu'à Jérusalem on devait l'arrêter. David avait au moins trois prophètes: Samuel, Nathan et qui? Et Gad. Il avait trois prophètes. L'apôtre Paul avait au moins deux prophètes. Chaque enfant de Dieu doit avoir son prophète. Ça n'empêche pas que tu pries. Dieu t'exauce. Mais il y a des cas où tu as besoin de consulter un prophète quand ça te dépasse. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y a une maman la semaine passée. C'était la nuit de prière passée. Une maman de près de 60 ans. C'est à l'âge là qu'elle découvre que sa mère et sa tante par un prophète. Elle ne savait pas que la femme qu'elle appelle maman n'est pas sa mère. C'est la sœur de sa mère. Grâce à un prophète. Il y a des personnes dont on a volé les voitures qui sont venues. Une femme est venue à Douala. On avait volé son enfant. Elle est venue à l'église. Elle a dit: prophète, où est mon enfant? Elle a consulté Dieu par le prophète. Et la parole de Dieu lui a été adressée. Dans ton quartier, une, deux, trois maisons, quatrième maison, ça appartient à une femme qu'on appelle comme ça. Va toquer là-bas, demande ton enfant. Elle est partie dans cette maison. Elle a demandé où est madame telle. On a dit qu'elle dort. Elle a dit: réveillez-la. Le prophète m'a envoyé chercher mon enfant. Elle a récupéré son enfant. Mes amis, tu as besoin d'un prophète. C'est pour ça que le roi Ézéchias, connaissant la valeur et la place du prophète dans une nation, on va consulter le prophète. Une nation où les dirigeants savent la valeur des prophètes est une nation prudente et sage. Est-ce que vous comprenez? Une nation où les dirigeants peuvent consulter le prophète. J'étais la dernière fois où je suis allé au Burkina Faso. Les responsables du pays sont venus me voir. Ils m'ont demandé: prophète, qu'est-ce que Dieu dit sur le Burkina Faso? Je leur ai dit ainsi par l'Éternel. Coup d'État, coup d'État, coup d'État. Et il y a eu un coup d'État. Pourquoi? Les prophètes sont des porte-parole de Dieu. Pas dans l'Ancien Testament seulement, mais aussi dans le Nouveau Testament. Laissez-moi vous poser une question. L'apôtre Paul, l'un des apôtres le plus excellent dans la Bible, pourquoi il a eu besoin d'Agabus pour savoir qu'on va l'arrêter à Jérusalem? Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé directement? Puisque Dieu lui parlait. C'est pas parce que Dieu te parle que tu n'as plus besoin d'un prophète. Non. Il y a des choses que Dieu te dira directement. D'autres aussi te les dira par un prophète. Même Paul a eu besoin d'une révélation que Dieu ne lui a pas donnée par la bouche d'un prophète. Pourquoi, mes amis? Parce que nous sommes les porte-parole de Dieu dans son église. Non, mais c'est sérieux. Ce qu'on dit là, c'est très sérieux. Je suis en train d'aller en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. On a une campagne en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé la dernière fois en Côte d'Ivoire,
J'en parle maintenant parce que c'est accompli. Et nous parlons en public. J'ai un de mes fils qui est en Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'apôtre Diomandé. Pour ceux qui suivent ma télé, il est venu plusieurs fois au Cameroun. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, il vient me voir. Il me dit, à l'époque, Madame Bagbo et son mari étaient en prison. Et il me dit, prophète, papa, la mère m'envoie te demander qu'est-ce que l'Éternel dit de sa situation. Je lui ai dit, va lui dire, ainsi parle l'Éternel. Tu seras libéré dans quelques mois. Ton mari sera aussi libéré. Mais il y aura beaucoup de tracasseries, beaucoup de combats. Il ne sera pas libéré facilement. Mais vous serez libéré. Mais toi avant. Il est parti. Il lui a dit ça. Ça fait peut-être un mois et demi. On l'a libéré. Et son mari, ça a été compliqué, compliqué. Mais on l'a libéré. D'après la parole que l'Éternel avait adressée. Pourquoi mes amis? Why, parce que l'église a besoin des prophètes. You need your prophet. C'est pour ça que nous sommes là. Pour jouer notre rôle. Pour consulter Dieu. Où il faut le consulter. Le fait d'avoir accès au sein des saints n'annule pas le ministère des prophètes. Qu'on ne vous trompe pas. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut raconter sur ces choses-ci. Je vous dis, il y a des choses. Un jour, il y a le ministre de la Défense d'un pays qui est venu de nuit me rencontrer. Il avait le problème avec son président. Et quand il est arrivé, il m'a dit, prophète, j'ai vu une prophétie que vous avez donnée sur telle autorité, je ne dis pas le nom. Ça s'est accompli. Et c'était avec un de mes fils. Et ce ministre m'a demandé, le président ne me reçoit plus depuis. Qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais aller le rencontrer. Ça va se passer comment? Est-ce que je peux encore retourner dans les grâces du chef de l'État? Je lui ai dit ainsi, par l'Éternel. Je lui ai adressé la parole de Dieu. Allez, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit merci prophète, il est parti. Ça s'est passé exactement d'après la parole de l'Éternel. Le président l'a reçu comme s'il n'avait jamais eu de problème. Son chef d'État lui a dit, viens t'asseoir, ton mange. D'après ce que Dieu lui avait averti. L'homme sage consulte Dieu comme Ézéchias. Il se sent menacé. Il pleure dans la maison de Dieu. Et il envoie les gens avec les sacs consulter le prophète Esaïe. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Et ils arrivent aussi en pleurant. Oh, mon Dieu, le bon, oh, le bien. Zain Nagarus. Et le prophète a dit, allez dire au roi, on ne touchera pas Jérusalem. On ne touchera pas cette ville. Le roi s'en retournera. Et il va mourir. Oh, les prophètes voient les choses avant qu'elles n'arrivent. What will we say about these things? Qu'est-ce qu'on va dire à propos de ces choses? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va vous dire sur ces choses? What will we tell you about these things? Vous voyez, you know, l'église est puissante, mes amis. Church is my friend. J'ai dit souvent à mes amis qui m'entourent, qui marchent avec moi, qui m'accompagnent dans mes hôtels. Je l'ai dit souvent, comme ce matin. Vous me voyez, j'arrive à l'hôtel. Je suis dans ma chambre. Je ne sors pas. On me sert à manger là-bas. Mais quand je sors, je révèle les secrets des hommes. Je leur dis, vous me voyez. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'on paye les gens pour ça. Ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'on a envoyé, on a dit à Ézéchias, tes dieux, ton Dieu, ne peut pas te sauver de ma main. Les dieux des nations, et on a cité les nations, n'ont pas sauvé ces nations. J'ai écrasé ces nations. Le roi Ézéchias a répondu au roi Sanchéri que les dieux des nations
que tu as écrasé, c'est le bois, c'est la pierre. Mais mon Dieu, il est invisible. Mon Dieu n'est pas fait de la main d'un homme. Mon Dieu n'est pas une statue. Mon Dieu n'est pas un crâne. Mon Dieu n'est pas une pierre. Mon Dieu, c'est Adonai Elohim, le Dieu invisible, le créateur de toutes choses, le créateur incréé, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui vit au siècle des siècles, l'ancien des jours, le rocher des âges, le tout puissant. Ne me compare pas aux autres nations. Ne compare pas mon Dieu que je prie à Rema. Oh Dieu des nations que tu as vaincu. Mon Dieu est invincible. Est-ce que quelqu'un est branché ce soir? La main de Dieu est sur ta vie ce soir. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta maladie, nous servons le Dieu des impossibilités. Je te vois guéri au nom de Jésus. Je te vois guéri au nom de Jésus. Je te vois guéri au nom de Jésus. Et la Bible dit, le prophète Esaïe a dit, ton ennemi va mourir. Lorsqu'il est rentré, Sancherib, ses propres fils l'ont assassiné. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué ce qu'on n'attaque pas. Ça va, je pars. It's okay, I leave. Et sera mi morabana gazaro. Asera maruvi e se ferazo sura mi mala utel ferazo asera mi moloi e sera mi murabino gavaro asaro meramo e sura mi loi sura mi murabana utel loi e sera voi. Tends ta main vers moi. Mets-toi debout, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment d'être assis. J'ai quitté Yaoundé pour venir ici. Ne t'assois pas. Sinon, ta vie va s'asseoir avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend un changement dans sa vie? Dans ta famille, qui t'a maudit, qui t'a méprisé, qui a donné des paroles contre ta vie? Que l'Éternel se souvienne de toi. Lève ta main, nous allons prier. Tends ta main vers moi. Dis mon Père, oh Dieu, souviens-toi de toute parole de malédiction que mes ennemis ont proclamé sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants, sur ma famille. Oh Dieu, lève-toi et retourne leurs paroles, leurs méchantes paroles contre eux, contre eux, contre eux. Ouvre la bouche et prie à autorité. Fara mi malazo. Esura mi loi. Asera mi murabana utelo frai. Adonai vel sarai. Vajare. Sera videl zaro. Esura mi lo. Sero fau mi nurai. Asera mi molloi. E sera me morabana gazaro Adonai varusna E se fera mir Suru me morai filigeloi Suma na udel sarai E geje vera me morabana zarvo E tai malavo E se fera zo Sura mi mana util ferazo agana u el varai le
Au nom de Jésus, on a prié. Quand tu pries, prie à votre autorité. J'ai vu une vision, on va prier. Tends ta main vers moi. Dis mon Père, toute pratique de sorcellerie contre ma vie, dans ma famille, au marché, partout où je suis, tout ce qu'on a enterré avec mon nom, au nom de Jésus, que ça soit déterré. Que ça retourne à l'expéditeur. Que ça retourne à l'expéditeur. Que ça retourne à l'expéditeur. Ouvre la bouche et prie. Dieu, para mi malazo. Et sera mi murai. Sera mi mana utel ofrazo. Sera ma utel marai. Vazaro. Kusura mi valo, ije fezaro, sura mi mana util ferazo, aguram rai, esi fura mi morabana gazaro, adonai gavuri, esi fura mi uru, suru mi morai, filigal morai, sinda maudel marai. Esera mi morabana gazavero, esera meravo, osura milo, sera mi muna ifili gelfoi, sufi la hotel mara. Keta manala tawa inna lo. Sublama, sublama, sublama. Isera mi morabino gazara, Adonai varume. Ise ferazo sura maudil naudei Adonai fen mara Gafera mi morabino dalo del varazo Adonai morevo Ise ferazo sura mi mur maudil firmadei Afinoi dal sarai. Au nom de Jésus, on a prié. Bien-aimés, on va prier cette prière. Que Dieu expose les ennemis cachés de ta vie. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Tends ta main vers moi. Dis mon Père, oh mon Dieu, toute personne dans ma vie qui rit avec moi, mais qui est en mission pour me faire du mal, pour détruire ma vie, mon Père, qu'elle soit exposée. Qu'elle soit exposée. Qu'elle soit exposée. Toute personne que j'appelle mon ami, que j'appelle mon frère, que j'appelle ma soeur, que j'appelle mon parent, mais qui médite ma mort, qui veut me faire du mal, qui veut m'empoisonner. Oh Dieu, expose, expose, expose. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Saro,
Salome. Ayume olem la. Ije varame. Esurai no fromi nurai. Eserami maro. Esuru. Serevere varo. Ije varume. Surumi morevo. Ayume olem la. Le Seigneur va nous sauver. Et je verrai ma loi. Savoir mes mots et vos savourer. Et serai mes mains à vous. Et serai mes rêves. Et je verrai mes mots. Sur mes mots et vos. Aïe, mais on l'aime là. Le Seigneur va nous aider. Et c'est faire mal pour la mémoire et le marofré. Et sur la mémoire et que tu verras maro. Et je maroumi. Sur la mémoire et le marofré. Aïe, je varame la 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 la. Au nom de Jésus, on a prié. Dis mon père, manifeste ta gloire dans ma vie. Oh Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. La dame sur qui j'ai parlé de Nani, qu'elle vienne. Lève ta main, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça va? Ça va? Ah? Ça ne va pas très bien. Ah? Ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien. Vous êtes ici avec qui? Vous êtes venu seul. Vous êtes, vous habitez quelle ville? Ah? De Palévin. Oui. Vous faites le commerce? Un petit commerce devant la porte. Ah? Un petit commerce devant la porte. Vous faites un petit commerce devant la porte. Ok. C'est compliqué, c'est ça? Le commerce. Oui, papa. Ah? On ne sort pas. Chaque fois quand je fais l'argent finit seulement. Ok. Vous êtes marié? Are you married? Ah? Ah, vous n'êtes pas marié, madame. You're not married. Elle dit quoi? What did she say? Non. Il ne vous a pas épousé. He didn't marry you. Ah? Non, papa. Mais si je demande je suis marié, ne dis pas oui, je suis marié. Parce que vous pouvez passer à côté de votre grâce. Quand un prophète pose la question, ce n'est pas qu'il n'a pas la réponse. Hein? Et votre... L'homme avec qui vous êtes, il voit la télé. Il suit la télé. Ah, lui, c'est le journal qu'il voit. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce soir, qui voit le journal, nous, on va faire nos choses ici. Dis, mon père, j'ai besoin de toi. Donne-lui le micro. L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose sur vous. Et je veux prier avec vous. Vous comprenez? Vous êtes une grande femme, mais à l'heure où je parle, dans votre famille, vous avez grandi comme une orpheline. Vous avez toujours été marginalisée. Même par votre père, vous avez été marginalisé. Vous avez été toujours mise de côté. Hein? Même l'école, vous n'avez pas fréquenté en tant que telle. Votre école, vous avez abandonné parce qu'il n'y avait pas de moyens. Hein? Donnez pas les trop loin. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu m'a montré une chose. Quand vous étiez à l'école, j'avais une jeune femme, une jeune fille. Parce que vous avez vu une jeune fille avec les seins déjà. Et à cette époque, il y a quelque chose qui s'est passé sur vous. Et je vais prier avec vous. Dieu va vous délivrer. Le mariage, vous avez failli vous marier. Une, deux fois. Ça a raté. Hein?
Il y a eu deux hommes, qui sont venus pour vous épouser. C'est parti. Je vais vous expliquer pourquoi. Et cette année, on doit vous épouser. Et toute femme célibataire ici, je déclare la même chose, on doit t'épouser cette année. Si un célibataire dit Amen, l'onction du mariage tombe sur lui. Cette femme est le point de contact pour tout le monde. L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Je commence par le début. Dans le règne de l'Esprit, je vous ai vu à l'école à l'époque. Et à cette époque, vous avez une amie à vous qu'on appelait Adèle. Hein? Il y avait une amie, une camarade à vous qu'on appelait Adèle. Vous alliez à l'école avec elle. C'est ça? Elle est où maintenant? Hein? Vous êtes séparés, ça fait combien d'années? Ça va, il y a 15 ans. On l'appelait comment? Adèle. Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous étiez avec Adèle, à l'époque d'Adèle, il y a un jeune homme qui était venu pour vous épouser, qu'on appelait Richard. Et c'est un jeune homme qui vous avait beaucoup aimé. Et que vous aussi, vous aimiez beaucoup. C'est l'un des premiers hommes même à vous aimer. Hein? Il est où maintenant? Il est à Douala. Il est à Douala? On l'appelle comment? Richard. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Quand vous étiez avec Adèle, vous avez commencé à voir les règles. Les règles. Et parfois, Adèle arrivait à la maison chez vous, dans la maison familiale, et elle vous disait, moi aussi je suis... Il y a une autre amie à vous qu'on appelle Fanny. Hein? Il y avait une amie qu'on appelait Fanny. Et Fanny faisait dans le salon de coiffure. Elle est où? Elle est en Congo. Ok, pas de problème. Et quelque chose s'est passé. Adèle venait à la maison et elle prenait les serviettes que vous utilisiez. Vous prenez ça, vous lui donniez. Vous partagez ça avec elle. Et parfois, un jour, elle arrivait, vous vous êtes lavé. Parce que j'ai vu votre maison familiale à l'époque. J'ai vu, c'était une maison comme ça, en briques de terre, avec les tôles simples, avec quatre côtés sur la maison. J'ai vu un grand salon au milieu. Il y avait un grand salon. Il y avait trois chambres dans la maison. Et il y avait un salon. Et c'était un salon en bois, avec des chaises qui avaient des mousses, avec des tissus de couleur grise qui était même déjà déchiré. Et l'Esprit de Dieu m'a ramené dans votre maison. Vous aviez votre chambre. C'était une petite chambre avec un lit. Et sur le lit, il y avait la moustiquaire qui recouvrait le lit. C'est dans cette chambre que Adèle vous a demandé la serviette hygiénique. Et vous étiez lavé. Et à l'époque, quand vous vous laviez, vous ne jetiez pas vos serviettes comme ça. Vous laviez ça. Parce qu'on vous avait dit de toujours laver. C'est ça? Un jour, Adèle vous a demandé que donne-moi ça, je vais aller jeter. Vous lui avez dit non, laisse-moi, mais je vais jeter. Elle a insisté, vous avez refusé, elle a insisté. Finalement, vous lui avez remis ça. Hein? Elle a pris ça, elle l'a mis dans un plastique, elle l'a mis dans son sac à main. Et elle est partie. À cette époque, Richard était venu à la maison chez vous pour demander votre main. Et il a dit qu'il voulait vous épouser. Et vous étiez en train de programmer la dot. Parce qu'il avait toqué la porte et il devait revenir pour la grande dot. Après l'acte que Adèle a posé, Richard est parti. Il n'est plus jamais revenu. C'est ça? Ah, la femme, si. Est-ce qu'on peut prophétiser à Tchang? Ah? Est-ce qu'on peut servir Jésus ici? Donnez le micro. Madame, vous me connaissez quelque part? Vous me voyez à la télé? Vous causez souvent avec moi à la télé? J'ai fait comment pour connaître Richard? Hein? Vous connaissez Richard? Vous connaissez Adèle? Je ne suis pas Abel. Hein? Je ne suis pas Abel. Est-ce que moi je suis Abel? Je ne suis pas Abel aussi. Vous la connaissez? Vous connaissez Richard? Ok. Moi je viens vous trouver ici, je sors de Yaoundé. Je fais comment pour connaître vos choses ici à Tchang? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. On n'a pas fini. Regardez, madame. Ce qu'on a fait contre vous, votre propre amie, que vous preniez comme votre soeur, ce qu'elle a fait sur vous. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir, détecter les gens qu'on a pratiqué la sorcellerie sur eux. Ça, je suis spécialiste pour ça.
La femme, si Dieu doit changer sa vie, je vais vous montrer quelque chose. Je commence par le début, on finit par la fin. À l'époque, Richard avait un ami qu'on appelait Charles. Il marchait toujours à deux. Et Charles a commencé à vous draguer derrière Richard. Hein? Charles vous a dit, non, tu es une belle femme, regarde. Richard, c'est mon ami, mais il n'est pas... Il n'est pas sérieux. Charles vous a amené chez lui dans sa maison. Il vous a amené dans sa chambre. Et il a commencé à vous parler mal de Richard, son ami. Et vous a dit que non, que Richard vous trompe. Avec votre ami, vous avez une amie qu'on appelait Fanny, qui était une voisine à vous. Richard a commencé, Charles a commencé à vous dire que Richard sortait avec votre ami. Et vous étiez tellement en colère que vous vous êtes laissé tromper par Charles. Ce qui est arrivé est arrivé. Et le jour-là, vous êtes sorti de la maison de Charles en pleurant. Parce que vous regrettiez ce qui s'est passé dans sa maison. La déception sentimentale qui est sur vous doit s'arrêter aujourd'hui. Le monsieur avec qui vous êtes, vous avez programmé plusieurs fois le mariage. Mais il dit toujours demain, après demain. Il n'y a pas de moyens. Okay. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, avant d'arriver là, laissez-moi vous montrer quelque chose. L'Esprit de Dieu m'a monté ici. Je vous ai vu aller au marché acheter la marchandise. C'est ça que j'ai demandé. Est-ce que vous vendez au marché? Faites le commerce. Je vous ai vu aller au marché vendre, acheter. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de vous avertir. Je vous ai vu aller au marché et acheter chez une femme musulmane. J'ai vu une femme musulmane qui vous vend la marchandise. Et Dieu m'a dit de vous avertir. Parce que la femme-ci qui vend ici au marché de Cham. Est-ce que je dois dire les choses comme ça? Hein? Bon, je vais vous aider. Il y a une femme chez qui vous achetiez la marchandise qu'on appelle Fatima au marché. C'est une mauvaise femme. Vous me suivez? Oui. Vous allez acheter chez elle. C'est une amie à vous qui vous a amené chez elle. Nicole, qui est aussi, elle aussi, elle va aussi au marché. C'est ça? C'est ça. Fatima vend avec les remèdes. C'est pour ça que quand vous vendez là, quand vous partez là, vos chances restent. C'est une femme qui est connue. Hein? Moi, je ne veux pas entrer dans les polémiques ici à Tcham. C'est une femme qui est très connue ici au marché. C'est une femme qui a beaucoup de clients. Les femmes vont même chez elle lui demander qu'elle vend comment, avec quoi, elle fait quoi. Elle fait même les remèdes, elle donne à certaines femmes. Méfiez-vous, n'achetez plus là-bas. Venez. Mais l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Is somebody ready tonight? Je vais voir ta main. Oh, oh là là. Je vais voir ta main. Venez, madame, venez. J'ai de la prophétie sur vous. Venez. Je veux voir ta main. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Oh, ta main, oh. Je veux voir ta main. Jésus. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Comme Bartimée.
combattidé. Oh yes. Qui avait crié, crié, fils de David, aie pitié de moi. Passe, Seigneur, moi je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Je vais voir ta main. Qui veut voir sa main ce soir? Oh! Alléluia! Je vais voir ta main, Jésus. Oh! Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Madame, quand je passais ici et je vous ai vu ici, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose sur vous. L'Esprit de Dieu m'a dit, ça c'est ma servante. Amen, papa. Vous saviez que vous êtes appelé au service de Dieu? Oui, papa. Vous saviez ça? Oui, papa. Vous êtes une prophétesse? Oui, papa. Vous savez ça? Oui, papa. Vous le savez comment? Oui, papa. Qui vous a dit ça? J'ai plusieurs fois vu. Vous avez vu ça plusieurs fois? Oui, papa. Ok. Je vais libérer votre ministère ce soir. Amen! Vous êtes où? Vous êtes ici? Je suis Papa Djou, papa. Hein? Papa Djou. Donc vous êtes ici? Oui, papa. Je viens de Yaoundé. Je sors du Rema ministry. Vous venez de Yaoundé? Oui, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen! Vous voyez? Elle est de Babandjou. Babandjou, c'est loin d'ici? Babandjou, c'est où il est? Nous allons prier que son ministère soit libéré. Amen! Vous êtes marié? Are you married? Ça va, j'ai compris. Que Dieu te donne un mari, toi qui es une femme. Amen. Je prie de tout mon cœur que Dieu vous donne de bons maris. Amen. Et soyez aussi de bonnes épouses pour vos maris, pour vos bons maris. Levez-vous, madame. Stand up, madame. Vous savez, il y a des choses que nous faisons souvent dans la vie. On ne sait pas que Dieu nous a bénis. Tu ne sais pas que Dieu t'a béni. Je vais vous révéler quelque chose. Votre vie sentimentale a été un grand combat. En grandissant, vous avez dit, vous avez fait un vœu que vous ne voulez pas connaître d'homme que dans le mariage. Hein? Vous avez fait ce vœu. Vérité, papa. Vous voulez connaître l'homme dans le mariage. Oui, papa. Mais ça n'a pas marché. Vérité. Quelque chose s'est passé. Oui, papa. Pendant que vous grandissiez, il y a eu des méchancetés contre vous. Il y a eu des méchancetés. J'ai vu une amie qu'on appelait Simone. Hein? J'ai vu une jeune femme avec qui vous avez grandi qu'on appelait Simone. Et c'est une fille. Ce que j'ai vu qu'elle a fait derrière vous n'était pas bien. C'est une fille que vous preniez comme une soeur, comme une amie, comme une femme de confiance. Vous partagez tout avec elle. Hein? Et vous l'aimiez beaucoup. Et vous pensiez aussi qu'elle vous aimait. Hein? Oui, papa. Elle est où maintenant? Je ne sais pas, papa. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Des années? Maintenant, regardez. Je prie que tout ce qui a été fait contre vous là soit annulé. Amen. Maintenant, quand les gens la voix, vous ne pouvez pas voir qu'elle porte un fardeau spirituel. Il faut un prophète pour voir le fardeau là et d'où ça vient. C'est pour ça que l'église a besoin des prophètes. Un pasteur ne peut pas voir ça. Un enseignant ne peut pas voir ça. Un évangéliste ne peut pas voir. C'est au prophète que Dieu a donné de voir. Maintenant, regardez. Je vais prier pour vous. Merci, papa. Que Dieu brise. Amen. Ce qui a été fait. Amen. Si quelqu'un a pris ton nom, ou ton habit, ou tes cheveux, ou tes ongles, on a surpris une femme en garde une jeune dame avec la calebasse en train de faire des incantations avec mon nom. Ou le prophète Ikadé m'épouse ou il meurt.
Or he marry me or he die. Ou il m'épouse ou il meurt. Contre-moi. On a attrapé une autre à Yaoundé. Elle faisait les incantations tout de l'église contre moi. Pour vous dire que il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui sont prêts à dépenser d'énormes sommes d'argent pour te faire du mal. Si on a touché à ton cheveu, que le jugement de Dieu tombe là-bas maintenant. Dis mon Père et mon Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Maintenant, regardez maman. Le Seigneur m'a montré une chose. J'avais une amie à vous qu'on appelait Michel, avec qui vous êtes séparé. Ça fait quelques temps. Et vous avez fait du bien à cette femme. Et j'ai vu un paquet que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu. C'est un héritage à cause de la justice que vous avez pratiquée envers cette jeune femme. Amen. Et ça me suivait. Oui, papa. Et le Seigneur m'a dit qu'à cause de cette justice, il y a un droit de bénédiction sur votre vie. Amen. C'est pour ça qu'on dit aux gens d'être gentils. Un seul verre d'eau que tu donnes à quelqu'un qui a soif, Jésus dit, tu ne perdras jamais ta récompense. Avancez. Donne-moi la main. Père, au nom de Jésus, que l'onction prophétique la localise maintenant. Que son ministère se réveille. In Jesus name. Lève ta main. Dis mon Père, j'ai besoin de toi. Maman, qu'est-ce que vous voulez? Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez? Oui, vous voulez quoi? Oh, madame, je veux la paix. Je ne veux pas la paix du cœur. Je ne dors pas bien. Vous ne dormez pas bien, pourquoi? Why don't you sleep well? Donc, ce que vous voulez, c'est la santé. What you want is health. Is it health? Hein? Vous voulez être quoi la santé? Je veux tout, Dani. Je veux tout. Hein? Tout. Tout c'est quoi, madame? Dites-moi. Oh. What is all? Je veux tout. Vous voulez quoi? La tomate, le jansan, le soya. Je donne tout. Dites-moi ce que vous voulez comme que Jésus fasse. On a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ouvre mes yeux, je suis aveugle. Je veux voir. L'autre a dit, Seigneur, je veux parler. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je veux le mariage. Maintenant, c'est les gens qui disent ça pour elle. De gloire en gloire. Avancez. Venez, ne pleurez pas. Vous voulez le mariage avec qui? With whom do you want marriage? Avec l'homme avec qui vous êtes? The man with whom you are. Avec celui que Dieu m'a choisi pour moi, maman. Pardon, cachez sa face à la télé, oh pardon. Hide her face, hide her face. Je ne veux pas qu'on divorce les gens à cause de ma télé. Divorce people because of my TV channel. Parce que si le monsieur là suit ça, et comme la télé s'y est suivie où tu ne peux même pas imaginer, ça va nous apporter des problèmes dans les foyers des gens ici. Moi, je n'ai rien dit. C'est elle qui a. She is the one who spoke. Parce qu'avec lui, je n'ai pas de paix. Chaque minute, c'est les disputes. Chaque minute, on ne peut pas rester à la maison pendant les parler et rire comme un couple. C'est que les disputes, chaque jour. Je prie pour la réconciliation, pour que la paix vienne, ou bien vous voulez vous marier ailleurs. Priez pour la réconciliation, priez pour la réconciliation. Parce qu'il y a les enfants avec lui, il ne sait pas où aller avec les enfants. Mets-toi debout, s'il te plaît, tends la main. Tends ta main vers elle, prie. Que Satan quitte son couple aujourd'hui. Que la paix revienne dans son couple, s'il te plaît. Tends la main vers notre soeur. Prie. Au nom de Jésus, on a prié. Donne la main. Que ce démon de maladie sorte maintenant.
Que le démon de trouble dans votre foyer sorte au nom souverain de Jésus. You are free. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Allez, maman, allez fêter. Demain, tomorrow, demain, tomorrow, vous préparez cool. Un bon tarot good ou un bon pilet, pomme, haricot rouge. Apple, vous mangez avant de venir ici. Parce que le Seigneur combat vos combats. Il va accepter, je vous attends ici demain. Que Dieu touche son cœur. Et je prie même qu'il vous accompagne ici demain, je prie sur vous. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Manifeste ta gloire dans ma vie. Nani est où? Hein? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Why are you dressed up like this? Et vous êtes où? And you, from where are you? Je suis son aumônier et je suis très attaché à ma culture du Nord. Maman, je suis du Nord, venez. Merci. Vous êtes ma soeur. Yes. Vous faites quoi ici? What do you do here? Papa, c'est compliqué. Oh. Maman, demain, pourtant, on est ensemble ici. Il n'y a pas de problème. Je lui demande comment toi, tu es du Nord, on te retrouve ici. Comme si moi-même, j'étais à l'extrême Nord. As if I was in the far north. Oui. Yes. Tu fais quoi ici? What do you do here? Je vis ici. Je vis ici à Cham. Et je suis étudiante à l'université. Papa, la dernière fois que vous étiez là, j'avais un dossier, le dossier de ma thèse de doctorat, puisque je vais soutenir ma thèse de doctorat. C'était bloqué au rectorat depuis 2 semaines. J'étais assise là, vous étiez là, vous n'étiez même pas encore arrivé. On m'a appelé du rectorat, on m'a dit, viens prendre ton dossier, le recteur a signé. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les... de ta gloire. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter de ta gloire. Plio, est-ce aussi quelqu'un qui a reçu un miracle après mon dernier passage ici, qui a reçu un témoignage dans sa vie, un miracle? Vous avez reçu un miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu un miracle après le programme du mois passé? Papa, oh, venez. Papa, oh, oui. J'ai pas fini. Ah, oui. Parce que après ça, quand le recteur signe, mon dossier arrive au décanat. On programme ma soutenance pour le 30 du mois dernier. Le doyen refuse que ça passe. Mes rapporteurs étaient même déjà là. Donc j'allais soutenir le 30. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai plus soutenu. Ils m'ont compliqué la tâche. Je suis comme ça. Donc mon dossier est bloqué maintenant chez le doyen. C'est bloqué chez qui? Chez le doyen. Il a refusé d'autoriser ce que le recteur a signé. Fais-moi monter. Dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Plus haut.
trois fois seul. Personne n'est comme toi. Maintenant regardez, écoutez la parole de l'Éternel. Listen to the word of the Lord. À cause Because de Jésus-Christ au milieu de nous, Jesus Christ in our midst, vous trouvez grâce Amen. Devant le doyen. Amen, papa. Et lui-même vous appelle. Amen, avec une amie à vous Amen, qu'on appelle Sylvia. Sylvia. Sylvia, votre amie. Sylvia, your friend. Vous deux, elle vous appelle, il vous appelle. Sylvia aussi s'est bloquée. Vous deux, il va vous appeler. Okay, il va débloquer. Amen, recevez la grâce. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dis mon père, je veux voir ta gloire dans ma vie. Tends ta main vers moi, tends ta main vers moi. Je déclare que les portes fermées de ta vie sont ouvertes. Toutes portes fermées dans ta vie s'ouvrent. Dans le nom puissant de Jésus. L'homme fort de ta vie tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Au nom de Jésus. Dis mon père, sans chérir, doit mourir dans le nom souverain de Jésus. Lève ta main. Si tu as des dettes, tu as des dettes, ou tu as des projets que tu vas accomplir dans ta vie, mais c'est bloqué, tends ta main vers moi. Je veux prier avec toi maintenant. Avant la fin de ce mois, un miracle doit t'accompagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ça? Je joins ma main à vos mains et je prophétise que le succès, la prospérité t'accompagnent. À partir d'aujourd'hui, l'échec ne fait plus partie de ta vie. La souffrance ne sera plus ton partage. Dis mon père, comme ta bouche a parlé, que ta main droite accomplisse ce que ta bouche a déclaré sur moi. Je te vois réussir où tu as échoué avant. Je te vois réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser dans le passé. Oh, la gloire de Dieu ici à Cham, la main de Dieu ici. Je vous dis la vérité, la gloire de Dieu ici. Je te vois réussir dans ta famille. Je te vois faire la différence dans ta famille. La main de Dieu sur toi dans ta famille. La montagne qui est devant toi est renversée. Je la vois renversée au nom de Jésus. Je la vois renversée au nom de Jésus. Lève ta main, lève ta main. Si tu souffres des échecs dans ta vie, tu sens que ce que tu fais ne réussit pas, tends ta main vers moi. Je proclame le succès, la malédiction des citernes crevassées, les malédictions d'échecs qui étaient attachées à tes mains. Je les détache de ta main. Je les détache de ta main. Malédiction de blocage dans tes activités. Je les détache de ta main. Je les détache de ta main. Au nom de Jésus. Montre-moi tes deux mains. Je bénis tes mains. Les mains, ça représente le travail. Je bénis ton travail. J'attache à ta main gauche la prospérité. Et à ta main droite la richesse. Tu ne seras pas un sujet de honte dans ces générations. La gloire de Jésus-Christ te distingue. La gloire de Jésus te distingue. La gloire de Jésus te distingue. Dis mon père, ta gloire descend et elle me distingue au milieu de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Au nom souverain de Jésus, dis Amen sept fois et cette prophétie est ta part. Mets-toi debout, s'il te plaît. Stand on your feet. Tends ta main vers moi. Reach your hand to me. Dis Seigneur Jésus, que ta majesté soit vivante au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Il a reçu, c'est fini.
Il a reçu, c'est fini. Tends ta main. Il y a un bien-aimé ici qui a dit qu'il a reçu un témoignage, qui a reçu un miracle. Après le dernier passage, il est où? C'était qui? Venez. Il y a aussi qui a reçu un témoignage, un miracle. Oui. On vient de m'appeler. Qui? L'encadreur que je soutiens lundi à 14. Jésus-Christ est ici. 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 Jésus, voyez! Jésus, voyez! Jésus-Christ est ici. Nous avons la victoire. 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 Satan, tu es petit. Satan, tu es petit. Satan, tu es petit. Satan, tu es petit. Les sorciers sont petits. Les sorciers sont petits. L'ennemi est petit. L'ennemi est petit. L'ennemi est fini. L'ennemi est fini. Himela, 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 himela. O she o tema. Himela, 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 himela. O she o tema. Himela, 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 himela. Ente. Himela. Oshé Otema, Imela, 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 Imela. Oshé Otema, Imela, 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 Imela. Ente, Imela, 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 Imela. Na wanda, na wanda. Nawanda, 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 nawanda. Nawanda, 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 nawanda. Nawanda, 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 nawanda. Jésus, voyez. Dis à ton voisin, ton miracle c'est maintenant ici. Your miracle is right here now. C'est ici et maintenant. It is here
right now. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Je suis allée m'asseoir et je prends mon téléphone comme ça, je regarde, je vois trois appels manqués de mon prof. Le prof appelle trois appels manqués. He missed the call. J'ai hésité à appeler parce que nous on n'appelle pas après 18h. Oui. Oui. Et puis j'ai quand même dit bon, je cours le risque. Je suis sortie, je l'appelle, il me demande que tu pleures. Sur Facebook, tu soutiens lundi à 14h. Yeah.
est prêt. Est-ce que tu es prêt? Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit sur vous est accompli. Rentrez, bénissez le Seigneur. J'ai remarqué que Dieu aime Cham de façon spéciale. Il y a une soeur, le mois passé, quand j'étais ici, je lui ai dit que l'homme que tu aimes et avait une femme à la maison, elle a dit c'est pas vrai. La nuit, elle a pris la voiture, elle est rentrée. C'est la femme qui a ouvert la porte. Lève ta main, lève ta main. Je déclare ton miracle accompli ce soir. Je vois ton étoile briller ce soir. Dis à ton voisin, voisin, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Ça fait deux fois. Que Dieu te bénisse. Félicitations. Dieu vous bénisse. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'avais un souci, j'avais un problème. Ma part, c'était l'alcool. Donc, quand je prends l'argent là, je ne sais pas ce que je fais avec. Je ne peux pas rentrer à la maison sans passer au bar. Et j'étais avec des amis. Et quand on s'asseyait, moi, je ne peux pas prendre plus de deux bières. Mais je partage. Quand j'arrive à la maison, c'est des problèmes. J'ai des problèmes. On est allé au point où ma femme voulait qu'on se sépare. Mais lorsque j'étais arrivé ici, le dernier jour, il pleuvait. J'ai garé ma moto dehors. Quand j'entrais, c'était déjà presque à la fin. Quand le serviteur de Dieu a prié la dernière fois qu'il priait, j'étais là au fond. J'écoutais. Mais quand je suis rentré avec la moto, j'étais surpris que j'arrive à la maison le lendemain. Mon voisin m'appelle, me dit qu'on passe s'asseoir, on prend une bière. Je suis allé naturellement. Lorsque j'arrive, je prends la première bière. J'ai goûté. C'était amer. C'était pas comme habituellement. Jesus. Alléluia, Jésus l'a sauvé. Il l'a béni. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Jésus l'a sauvé, oh, il est béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il est béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il est béni. Oh. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il est béni. Il était sous la robe, hey. Jésus l'a béni. Oh. Hey. Il est béni. Wow. Il buvait la bière, oh. Hey. Jésus l'a libéré. Hey. Il est libéré. Il est libéré, il est libéré, Jésus l'a libéré. Il est libéré, il est libéré, il est libéré. Il était sous là, il aimait la bière, Jésus l'a libéré. Il dormait dans les bars, avec Magnan, Jésus l'a libéré. Il l'a libéré, il l'a libéré, Jésus l'a libéré. Il l'a libéré, il l'a libéré, il l'a libéré. On peut l'insulter, dire du mal de lui, il est libéré. Tu peux le haïr, le calomnier, Jésus l'a libéré. Il est libéré, il est libéré, il est libéré. Il est libéré, il est libéré, il est libéré.
Dieu vous bénisse. La bière était amère dans votre bouche. C'était amère, homme de Dieu. J'ai insisté. J'ai avalé. Ça ne donnait pas. J'ai pris encore une deuxième gorgée. Ça m'a poussé à aller vomir. Je suis allé vomir. J'ai vomi. Et après ça, maintenant, après ça, j'ai dit à mon ami que non, comme tu vois là, c'est comme si tu es en train de me délivrer de la bière. Il me dit que tu racontes quoi comme ça, vos histoires là. Il dit que bon, c'est ce que je suis en train de constater. Et c'est comme ça que je suis sorti là. Quand je vois la bière, j'ai seulement envie de rejeter. Hey! Tu peux dire mal de lui. Ou l'insulter. Jésus l'a béni. Oh, ça c'est qui? Who is that? Votre mari, ça c'est qui? Your husband, who is that? Dieu vous aime tellement. Vous êtes béni. Que Dieu vous bénisse. Cette délivrance est établie pour toujours. Et votre foyer restera au nom souverain de Jésus. Amen. On a deux autres témoignages qu'on va écouter rapidement. Et on va prendre nos offrandes. C'était ça. Dis à ton voisin, c'est l'introduction. Oui, appelle les autres. Les deux autres. Maman Alvin, Maman Julienne, que j'ai préécouté tout à l'heure. Dieu est ici, Dieu est ici, God Dieu attend. Hey. Dieu y attend. God is in charge. Nous, on va rester à Tchang, on ne parle pas à Yaoundé, on calme ici. Reverend Bassama, on construit deux maisons. Une pour moi, une pour toi. Amen. Et la délégation, une autre maison. Oui, on ne rentre plus, on reste nous ici. Ce que Jésus a fait après le programme, oui. Moi, je suis Maman Julienne. L'autre jour, on a fait deux jours de prière ici. En faisant la prière, j'avais mal à mon poignet, au point où je ne parvenais pas à arrêter ma roue pour cultiver, ni bien travailler avec ma main. Je mettais les pommes n'importe comment. Le mal qui était là-bas ne partait pas. Ne finissait pas. Ne finissait pas. Mm-hmm. Maintenant, après les deux jours de prière ici, je ne sentais plus rien et je cultive maintenant bien. Maintenant, tu travailles normalement. Je cultive mais normalement. J'ai mis l'huile de faveur sur ma main. Comme j'ai payé l'huile de faveur, j'ai mis l'huile de faveur pour presser. La douleur est partie. Maintenant, je sens bien. Je cultive bien. Je rends grâce à Dieu et j'exhorte tous les habitants de Tchang de venir recueillir là-bas des miracles au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Toi qui nous écoutes, viens aussi recevoir ta part. Oui, Maman Alvin, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, juste après le premier passage de papa. Bonsoir, peuple de Dieu. Si je suis devant vous, c'est pour témoigner les merveilles de l'Éternel. La fois passée, quand papa est venu pour son programme, je rentrais déjà sur Bertois parce que je persévère à Bertois. Je suis de Réma de Bertois. Ma grande soeur m'a appelée. Elle m'a dit que non, ne rentre pas encore. Papa a un programme à Tchang. Il faut attendre. J'ai attendu, papa est venu. En attendant, même, je suis tombée malade. Vu ça. On me lavait seulement. J'avais le bâton pour marcher. Les deux jours que papa a fait ici, le deuxième jour, les enfants qui m'ont amené ici, ils ont dit que maman, on cherche la moto. J'ai dit non, je me sens déjà bien. Je peux marcher jusqu'à la maison. La maison est loin là-bas. J'ai marché à pied jusqu'à la maison. Donc, jusqu'aujourd'hui, je me sens bien. Tu te portes bien. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Tu acclames Jésus, tu reçois ta portion au nom de Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Avant que le père ne vienne d'abord ici, là, j'avais une voisine à moi qui s'appelait Dorline. Elle avait passé la quatrième, avait 9 de moyenne. Sa mère a dit qu'elle ne peut pas aller en troisième. Elle dit que ouais. Maintenant, je suis rentrée à la maison, c'est un soir. Je suis partie dans la chambre et j'ai prié pour elle qu'avant 3 jours, elle va me dire que sa mère a accepté. Le lendemain, elle est venue me dire que sa mère a dit qu'elle n'est pas en troisième. Peuple de Dieu. Et l'autre témoignage, c'est que quand le père est venu ici, il était en classe avec un gars. Il m'a dit que, comme il m'a dépassé en séquence, il a dit que ce trimestre, c'est veut te dépasser. Il a dit que tu es où? Que tant que je suis enfant de Dieu, tu ne peux pas me dépasser. Mm-hmm.
Maintenant, on a remis au trimestre. Il est sorti 23e, il est sorti 6e. 23e et tu es 6e et tu l'as dépassé. Pendant que tu acclames, la même grâce est sur toi ce soir au nom de Jésus. Merci, sois béni. Alléluia. Yeshua. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Mets-toi debout, je vais te bénir. Balance ta main comme ça. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved. Écoutez bien aimé, c'est une joie de recevoir un prophète chez soi. Jésus-Christ a dit que celui qui vous reçoit, c'est moi qui l'a reçu. Mais celui qui vous rejette, c'est pas vous qui l'a rejeté, c'est moi qui l'aura rejeté. Et dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Tu ne vas pas mourir dans la honte. Tu ne vas pas mourir en pleurant. Tu ne seras plus un sujet de honte dans la maison de ton père et dans ta famille. Dieu veut nettoyer les larmes de tes yeux. Tends ta main vers moi. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta main droite. Je bénis ta main gauche. Comme tu rentres aujourd'hui, Sanchérib va mourir. J'ai dit Sanchérib va mourir. Sanchérib est mort. L'homme fort de ta vie est tombé. Toute prophétie contre toi est retournée à l'expéditeur. Tu rentres d'ici étant béni. Tu rentres étant guéri. Dieu lave la honte loin de ta vie. Et tu deviendras un sujet de gloire pour ta famille. Celui qui dit Amen cette fois entre dans cette gloire.